Aux États-Unis, l'avocat de Stormy Daniels, la star de film X, qui aurait été payé pour ne pas dévoiler une rencontre sexuelle avec le président américain, a révélé mardi de nouvelles accusations. Michael Avenatti affirme que l'ancien avocat de Donald Trump a aussi reçu 500 000 dollars d'un milliardaire russe après l'élection du président américain. Ces accusations s'inscrivent dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence de Moscou durant la campagne électorale. Ce rebondissement judiciaire n'arrange pas les affaires de Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, dont les bureaux ont déjà été perquisitionnés. Quant à l'homme d'affaires russe impliqué dans l'enquête, il s'agit de Viktor Vekselberg, patron du groupe russe Renova, déjà sanctionné début avril par Washington.